Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va s'en sortir? S'il te plaît, dites-moi que oui. Ma chérie, vous avez de la chance de l'avoir trouvée plus tôt. En ce moment même, elle serait... Merci Dieu, tu es en vie. Je t'aime tellement. Moi aussi. C'est cela, maman. Je regrette, mais je dois vous parler. S'il vous plaît. Je dois vous dire de... Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ok, d'accord. Chérie. Hein? T'aurais pu me dire pourquoi? Et je ne vois pas de quoi tu parles. T'aurais pu m'avertir. Ça réussit à changer. Tu es parfaite. Comment tu es, tu sais. Et je veux pas te perdre. Tu sais quelle peine ça me ferait. D'abord ma mère, après ma petite amie. Tu sais pas qu'est-ce que ça me ferait. Mais ma vie est nulle. Ma vie est nulle. Je me fais embêter à chaque jour. Mon père y est mort. Il monte tellement. Qui est-ce? Quelqu'un voulait te rendre visite, mademoiselle Jasmine. Ma chérie! Oh ma chérie! Maman, ça va, t'inquiète. Combien de temps est-ce que j'ai dormi? Une semaine. Oh, je me suis tellement inquiétée pour toi. Dis-moi ce qui s'est passé, pourquoi tu t'es évanouie? Comment? Pour quelle raison? C'est-à-dire que je préfère peindre Paris. Désolée. Ça va aller, madame. Elle va bien maintenant. Je vais y sauver elle. Ne vous inquiétez pas. Oh, ça me soulage. Aussitôt que tu sois rétablie et que tu peux sortir, viens à la maison, s'il te plaît. D'accord. Je t'aime. Tu vois, tout le monde t'inquiète. Ne fais plus ce genre de... S'il te plaît, pour moi, pour tout le monde. Ton père, qui ne voudrait pas ça. Je vais juste le rejoindre. Je t'aime. Tu comprends beaucoup de gens aussi. S'il te plaît. Je vais monter. Mets ton collier. Oui, j'arrive. Oh, je vais juste me changer. J'ai enlevé cette robe d'hôpital. J'arrive. De toute seconde. Attendez deux secondes, il y a un problème, c'est que puisqu'elle vient de sortir de l'hôpital, elle est encore faible, mais elle doit rester pendant quelques jours dans ce chariot, je le conseille, avant qu'elle s'évanouisse encore. Bien, je vais t'aider. Bonne journée. Bon rétablissement. Vous êtes tous venus pour moi. Tu vois, c'est ça que je veux dire, il y a pleinement pitié à toi. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la banderole? Oups. On est tous venus pour toi. Oh waouh. Il y a vraiment tout le monde.